Mes hommages, madame. Mes respects, monsieur le commissaire. Oh, Emmanuel, mon chéri, si tu voulais me faire plaisir. Mais je ne pense que ça. Regarde tes mignons petits chenets. Tu aimes? Je peux les emporter? Oh, bah, tu es folle, nous n'avons même pas de cheminée. Mais rien ne nous empêche d'en faire une fois que nous aurons ces ravissants chenets. C'est ça, et pourquoi pas ce corps de chasse, hein? Ensuite, nous achèterons la meute, les chevaux, le manoir, la forêt. Voilà l'objet. Une merveille, n'est-ce pas, monsieur le commissaire? Oh, il y a bien quelques petites enflures dessus de là, mais je m'en fous à rien. Ça ne vous dérangerait pas trop, on n'a pas fini de faire. Alors je te préviens tout de suite, nous avons déjà un secrétaire, celui de la tante Marguerite. Hein. Mais regarde, mais tu n'as pas vu tous ces tiroirs, cette marqueterie, à côté d'une autre. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Tout secrétaire a son secret, madame. Celui-là n'en avait pas tellement. N'y touche pas, voyons, l'arme du crime, les empreintes. C'est très drôle, ma chère. Non, mais je me souviens. Alors ça, c'est curieux, alors, c'est... C'est vraiment très curieux. Alors, mon chéri, ne suis-je pas digne du policier que vous êtes? Monsieur le commissaire, vous croyez que ce revolver... Pardon? Non, je ne sais pas, je ne peux rien dire. Écoutez, ce que je vous demande, monsieur Berton, ce secrétaire, même s'il se présente un acheteur, soyez gentil, conservez-le-moi pendant quelques jours. Bien. Au fait, où l'avez-vous eu? La salle des ventes, salle 8. Oh, Emmanuel, un mouchoir propre. Ben oui, ben justement, mon chéri. Pardon. Ah. Mmh. Oui, le revolver avec lequel a été tué l'usurier Paladuc n'ayant jamais été retrouvé, il pourrait fort bien s'agir de l'arme du crime. J'attends les résultats de l'expertise. L'affaire remonte à 3 ans environ. J'en avais chargé le commissaire Deschamps et maintenant il est à la retraite. Ce Mourlac, si j'ai bien lu, a toujours nié. Ah, jusqu'au bout. Et les preuves étaient accablantes. Entre autres, on avait trouvé dans son taxi des reconnaissances de dette volé chez le prêteur, et la sienne qui plus est. Elle venait à échéance ce jour même. Mais qu'il n'ait pas détruit tout cela me paraît un peu fort. L'affolement, sans doute. Des témoins l'avaient vu déboucher de l'immeuble en courant comme un forcené. Ah non, pardon, monsieur le juge, un témoin. Un témoin, oui. Attendez, oui. Oui, vous avez raison, Lambert, ce vitrier, Jouvelin, bousculé par Mourlac dans sa fuite, et qui d'ailleurs a porté plainte pour le bris de ses carreaux. Mais il avait relevé le numéro du taxi, et lors de la découverte du crime le même jour, nous avions fait tout naturellement le rapprochement. Est-ce que Mourlac possédait parmi ses meubles un secrétaire Louis-Philippe? Non, certainement pas. Mourlac était dans une situation difficile, marié, un enfant en bas âge. Il avait emprunté à Paladuc de quoi payer sa patente de chauffeur de taxi. Alors... Et puis comment aurait-il pu d'ailleurs, étant en prison, mettre dans ce tiroir, en plus du revolver, les coupures de journaux relatant sa condamnation? À moins que sa femme. Oui, tout cela, en tout cas, me paraît un peu troublant. Je pense, monsieur le juge, qu'il conviendrait de reprendre l'enquête à son point de départ. Oui, il le faut. Et j'aimerais, Lambert, que vous vous en chargiez personnellement. Alors, adressez tout de suite un rapport au procureur de la République pour obtenir la révision du procès. Nous sommes en présence d'un revolver dit d'ordonnance, modèle 1892... en usage dans l'armée jusqu'à la dernière guerre incluse. Il tire une balle de 8 mm en plomb durci, enveloppée d'une chemise de cuivre, d'un poids de 7,90 g. Est-ce que la balle qui a tué Paladuc... La même. J'ai tiré une balle témoin, et après examen au microscope, j'ai pris une photo, et je l'ai comparée avec celle de la balle retrouvée dans le corps de la victime. Vos conclusions? La photo montre la parfaite superposition d'estrie. Et quant aux empreintes? Celle du mort, en majeure partie. Ah, parce qu'il y en a d'autres? Du moins, mes collègues et moi supposons-nous qu'il s'agit d'empreintes, mais comme protégées d'une sorte de pellicule grasse, et qu'il est difficile, après un tel laps de temps, d'identifier avec exactitude. Ah oui, c'est dommage. Eh bien, je vous remercie. Monsieur le commissaire, à votre service. Appelez-moi le palais de justice. Le juge d'instruction Rougier. J'y ai pensé, Lambert, mais tout dans le rapport du médecin légiste que j'ai sous les yeux infirme la thèse du suicide. Le coup était tiré à plus de 2 mètres de la victime. Pardon? Oui, en effet, le foie n'est pas un endroit bien désigné. Et d'autre part, pourquoi se serait-on alors emparé de l'arme pour la camoufler ensuite dans ce secrétaire? Hein? Madame Mourlac, je n'ai qu'une question à vous poser. Connaissez-vous ce secrétaire? Vous a-t-il appartenu? Mais venez, madame, approchez-vous. Alors, madame? Bien sûr que non.
Des choses comme ça, c'est pas pour des gens comme nous. D'abord, vous le savez bien, tous les meubles qu'on avait, vous nous les avez pris. Non, mais pardonnez-moi, madame, je ne cherche pas à vous accabler davantage. C'est quand même injuste. Mon mari est innocent, je vous le jure, sur la tête de ma petite fille. Excusez-moi, Lambert, je voudrais poser une question. Pouvez-vous me dire, madame, quelle était la situation militaire de votre mari? Autrement dit, a-t-il fait son service? En quelle année? Et dans ce cas, quel grade avait-il? Il a été réformé, mon mari, à cause d'un souffle au cœur. C'était pendant la guerre d'Algérie. C'est de là qu'il a voulu être chauffeur de taxi. Il y avait moins de fatigue qu'à travailler sur les chantiers comme avant. C'est de là aussi qu'il a emprunté pour la patente à cet usurier de malheur qui nous a tous mis dans de beaux draps. Ce n'est pas tout à fait sa faute. Bien sûr, mais quand même. Maintenant, je voudrais bien m'en aller. Il faut que j'aille chercher la petite à l'école. Oui, je vous en prie, madame. Vous pouvez me laisser crever tranquille. J'ai plus rien à dire. Et tout ce que j'ai dit, moi, au juge, à la police et à tout le monde, ça n'a servi à rien. Que j'avais pas tué Panaduc. Que j'étais innocent. Mais vous, vous en foutez pas mal, hein, que je sois qu'un innocent. Bourlac, si nous sommes là, mon collègue de la PJ et moi-même, c'est pour une chose qui nous paraît importante. Pour vous, particulièrement. Le coup de l'erreur judiciaire, elle vous repasserait. Comme disait le gardien tout à l'heure, il suffit pour être innocent, il faut avoir la tête de l'emploi. Alors pour ça, je suis servi. Bon. Alors qu'est-ce que c'est, votre chose importante? Peut-être me libérer, non? Voyons, Bourlac, reprenons les choses dès le commencement. Hein? Le jour du crime, vous aviez rendez-vous chez l'usurier Panaduc à 15h30 pour y régler une de vos traites. Une course vous ayant mené dans le quartier, vous avez déposé votre client et arrêté votre taxi devant l'immeuble de Panaduc. Mais vous étiez en avance, une demi-heure environ, vous êtes donc allé dans un café voisin, le Bon Coin, pour y boire une bière et y manger un sandwich. Vous en êtes sorti vers 15h20, 15h25. Les témoignages le confirment. Jusque-là, nous sommes d'accord. Ben oui. Parvenu au troisième étage, à ce propos, vous rappelez-vous avoir croisé quelqu'un dans l'escalier? J'ai vu personne. Bon, vous avez déclaré que la porte de l'appartement de Panaduc était ouverte. Mais si j'ai déclaré, c'est que c'était vrai. Ensuite? J'ai frappé, forcément. Et comme personne ne me répondait, j'ai poussé la porte. Et c'est en arrivant là, près du bureau à Panaduc que je l'ai vu, lui. Il était tombé derrière, près de son fauteuil. Il avait les lunettes toutes de travers. Puis j'ai vu ses mains sur son ventre. Tout le sang qui coulait dessus. Vous vous êtes appelé, avez-vous dit, vous avez dégringolé l'escalier et vous avez sauté dans votre taxi. Mais qu'est-ce que je pouvais faire d'autre, moi? Prévenir la police, peut-être. La police. Vite dit. Vous n'avez touché à rien, rien emporté, ni valeur, ni papier. Mes paroles, monsieur le commissaire, puisque je vous dis que je me suis sauvé tout de suite. Pourtant, on a découvert dans la poche de la portière avant droite de votre voiture une dizaine de traites appartenant à la Duc. Mais c'est pas moi qui les a mises, je l'ai dit 100 fois. Mais tout de même. Mais j'avoue quoi? Elle y était, la mienne de traite. Peut-être pas intelligent, ça c'est sûr. J'ai même pas eu mon certificat d'études, si vous voulez le savoir. Mais si c'était moi qui avais fait le coup, je l'aurais déchiré tout de suite, la traite. C'est une supposition. Ce qui est réel, Mourlac, c'est que vous aviez de sérieuses difficultés d'argent. Et que précisément ce jour-là, vous aviez l'intention de demander un délai à Panaduc. Ça c'est juste, monsieur le commissaire. Mais même s'il n'avait pas voulu, Panaduc ne l'aurait pas tué pour ça. Vous savez aussi bien que moi. La dernière personne qui ait vu l'usurier vivant, c'est le masseur Perrault. Il est venu lui donner des soins à 15 heures précises. Et pendant à peu près une demi-heure. C'est un miracle, semble-t-il, que vous ne l'ayez pas croisé dans l'escalier. Mais pourquoi vous le croyez, lui, plus que moi? Il se trompe peut-être dans 16 heures, ce masseur-là. Il a été formel. Et on a démontré sa parfaite honorabilité. Mais mon honorabilité à moi, elle n'était pas bonne, dites voir. Autre chose, mon lac. Comme chauffeur de taxi, vous n'avez jamais eu d'arme? Un revolver, par exemple? Jamais. Jamais. Nous venons d'en trouver un fortuitement, qui pourrait bien être l'arme du crime. Mais alors vous allez voir que je suis innocent. Il doit bien y avoir des empreintes sur ce revolver. Et vous verrez bien que c'est pas les miennes. Je l'espère. Oh, vous allez me sortir de là, monsieur le commissaire. Hein? Vous allez me tirer de là. Je te rends compte, 100 000 francs le bonheur du jour. Oui, c'est authentique, mon frère. J'étais sûr qu'il ferait un malheur, ce bonheur-là. Maître Lucenay. Monsieur, que puis-je? Je sais que j'aurais dû me présenter à votre étude, mais le temps presse. C'est au sujet d'une vente dont vous vous êtes occupé. Avant-hier, salle 8.
un secrétaire acheté par M. Berton Antiquaire. M. Berton? Ah, oui. Je me rappelle parfaitement. Nous voudrions savoir d'où provenait ce secrétaire. Une succession, sans doute. Venez. On liquide et on s'en va. C'est la fin du théâtre, j'ai là. Et pas seulement du mien. Du théâtre en général. J'ai vécu ici 27 ans. Un sacré bail, hein? Pourquoi mettre à la place? Un garage parking. Enfin. Qu'est-ce que vous vouliez savoir déjà? Vous étiez vous procuré le secrétaire qui a été vendu avant-hier salle des ventes. C'est tout? Oui. Alors, attendez voir. Ah oui, il y a à peu près 2 ans, j'ai vu une annonce à la boulangerie, là, en sortant du théâtre à main droite. Est-ce que vous vous souvenez de l'adresse et du nom du vendeur? Oh, ça c'est pas compliqué. Alors, une seconde, mon jeune monsieur. Vous avez ça tout de suite. Le 12 juin, Madame Fressel, 21 rue de la Pierre-Aubie. Sans vouloir être indiscret, qu'est-ce qu'il a de si particulier, ce secrétaire? C'est-à-dire qu'on a retrouvé un revolver un peu compromettant dans un tiroir secret. Tiens, mais... Au fait, vous ne l'aviez jamais fouillé? Ah ben, foi donc, un tiroir par-ci par-là quand il est arrivé, mais dans la pièce où il jouait, il restait fermé pendant les 3 actes, alors. Je vous remercie. Oui, oui, je note. 21... rue de la Pierre au but. Oui. Fressol. Oui, oui, F comme Françoise. Attends. Oui, mais attendez, Fressol, ça me dit quelque chose. Mais bon sang. Mais c'est lui! Madame Fressol, commissaire principal Lambert, je désirerais parler à votre mari. Monsieur, mon mari n'est plus de ce monde depuis bientôt 2 ans. Non, pardonnez-moi. Vous êtes tout excusé, entrez. De quoi s'agissait-il? Monsieur Fressol, vous vous en souvenez, il y a 3 ans, avait fait la découverte du corps d'un nommé Paladuc, prêteur, alors qu'il se rendait chez lui pour honorer une traite. Il avait ensuite averti la police par téléphone et bien sûr fait sa déposition. Si je m'en souviens, il en avait été tout retourné pendant longtemps. À cette époque, votre mari était accordeur de piano. Puis allez, monsieur. Quand j'ai connu monsieur Fressol à Périgueux pendant la guerre, il était facteur. Facteur? Enfin, c'est le terme, facteur de piano. C'est-à-dire qu'il les fabriquait. Oui, je peux dire sans vanité que mon mari était considéré dans la profession comme un artiste. Il était d'une habileté manuelle remarquable. Oh, je sais, maintenant la jeunesse ne s'intéresse plus qu'au jazz, à la trompette, à la guitare, que sais-je encore, mais de mon temps, chaque famille honorable se devait d'avoir un piano, peut-être vous-même, monsieur. Depuis la mort de votre mari, de quoi vivez-vous? Enfin, quelles sont vos ressources? Je vends mes meubles. Les miens et ceux de mon pauvre mari, tout part, tout disparaît. Un secrétaire Louis-Philippe, entre autres. Oui, comment le savez-vous? Ben, nous le savons. C'était un souvenir de ma pauvre maman. Et asseyez-vous, monsieur. Merci. J'avais aussi quelques obligations du trésor. Pas grand-chose. Enfin, j'y pense, vous prendrez peut-être un apéritif? Non, merci. Une petite anisette? Bon, bien, alors je boirai seul. Saviez-vous que votre secrétaire avait un tiroir secret? Mais bien sûr. Quand j'étais jeune fille, j'y cachais même mes premières lettres d'amour. Ensuite, j'y ai mis mes bijoux. Ils sont partis comme le reste. Est-ce que votre mari, madame, possédait un revolver? Hélas, oui. Plusieurs, même. C'est avec l'un d'eux qu'il s'est tué. Comment cela? Vous voulez dire qu'il s'est suicidé? Mais non. Il faut que je vous explique. Comme je vous l'ai dit, mon mari était un artiste. Il fallait toujours qu'il fasse quelque chose de ses mains. Quand il a eu abandonné ses pianos, il s'est mis à fabriquer de petites machines. Ses inventions, comme il disait. Il a même eu plusieurs récompenses au concours Lépine. Mais son rêve, voyez-vous, c'était d'avoir une médaille d'or. Ensuite? Il y a un peu de temps avant sa disparition, il avait eu en tête un système d'alarme contre les cambrioleurs, une sorte de piège qui déclenchait une arme. Enfin, il vous aura expliqué tout cela mieux que moi, le pauvre homme. Il a voulu l'expérimenter lui-même et ça a trop bien marché, c'est ça? Hélas. Ces armes qu'il possédait, vous les détenez encore? Parti, vendu comme le reste. Bien triste, tout ça. Vous voulez pas boire quelque chose avec moi? Non, non, merci. Votre mari, vous le saviez, empruntait de fortes sommes à l'usurier Paladuc. Vous aviez donc des difficultés financières. Nous aurions pu vivre honnêtement.
joindre les deux bouts, tant bien que mal, mais il y avait ses inventions, le matériel, les brevets, vous comprenez. Un gouffre, un véritable gouffre. Rappelons-nous ces vers immortels. Maman, je... Et vous, heure propice, suspendez votre cou. Voilà ma fille, Liliane. Elle prépare le baccalauréat. Elle est pleine de bonne volonté, la chère petite. Moi, je n'ai eu que le brevet de mon temps. On n'en demandait pas plus aux jeunes filles. Il vous faudra en subvenir à l'entretien et aux études de votre enfant. Et ce sont toujours vos meubles qui... Mais ce sont des meubles de prix. Et puis ma grande sœur nous aide un peu. Ah, parce que vous avez aussi une grande sœur. Ben oui, monsieur. Juliette. Ah, et que fait-elle, mademoiselle Juliette? Elle est artiste. Ah oui, artiste. Quoi, artiste? Comédienne, chanteuse, danseuse? Elle est mannequin. Mais pour maman, c'est comme si elle était artiste. Parce qu'elle a drôlement de la classe, Juliette. Maman, je t'en prie. Elle habite avec vous, votre grande sœur? Mais non. Mon aînée est très indépendante. Elle a beaucoup de son pauvre père. Un caractère, comment dire... fantasque. Elle va, elle vient. Je la vois guère. Et où demeure-t-elle alors? Mais nulle part. Un jour, elle est à Deauville, le lendemain à Nice, à Cannes ou à Bruxelles. Elle est mannequin volant, vous comprenez? Mais oui, parfaitement. Bon, ben, je crois, madame, que je n'ai plus beaucoup de questions à vous poser. Mais puis-je vous demander pourquoi toutes ces questions? Oh, pour rien, un supplément d'enquête. Rien de grave. Excusez-nous. Oui, c'est ici. Encore une affaire qui ne s'est pas faite. Je ne demandais pourtant pas grand-chose. Papa, faut pas se gêner. C'est le secret professionnel, alors. Bon, le blanc, notez l'adresse et allez vous renseigner tout de suite. Je crois que la bonne dame s'est un petit peu payée notre tête, hein. Et à boire et à manger là-dedans. Surtout à boire, monsieur le commissaire. En tout cas, vous conviendrez que Fressol est maintenant le suspect à part entière. Oui, il outre-tombe, malheureusement. Bon, alors, supposons... C'est ça, supposons. Fressol avait des ennuis pécuniaires. Il va chez Paladuc pour obtenir un délai. Paladuc le lui refuse. Fressol insiste, supplie, menace. En parole, bien sûr. Paladuc a alors un réflexe stupide, il empoigne son revolver. Fressol le désarme ou tente de désarmer. Et peut-être, il le tue involontairement. Est-ce qu'on peut admettre aussi qu'il était ganté? Ah ben pourquoi pas. Et ensuite? Ensuite, eh bien nous sommes coincés. À cause des traites, dont celle de Fressol dans le taxi. À l'heure où Fressol arrivait au rendez-vous, soit 16 heures, Mourlac était déjà loin. À moins que Fressol ne tue pas la Duc avant l'arrivée de Mourlac, juste après le départ du masseur, par exemple. Il dévale l'escalier, saute dans le taxi, mais le chauffeur Mourlac n'est pas là, il se restaure au bon coin. Fressol décide d'abandonner le taxi. Auparavant, il s'est débarrassé des traites. En y laissant les siennes. Pour détourner les soupçons, rien. Il remonte chez Paladuc, ayant peut-être oublié quelque chose de compromettant. Par exemple, le revolver. Nous avons dit qu'il était ganté. N'oubliant pas, Lambert, qu'il y avait d'autres traces sur la crosse que celle de Paladuc. Oui, ou quelque chose d'approchant. Ayant pris le revolver, Fressol se sauve de nouveau. Il est surpris par l'arrivée de Mourlac. Il se camoufle. Voyant le cadavre, Mourlac repart en trombe. Fressol décide de signer le crime à la police, disons, pour sauver la face. C'est QFD. Alors, première chose à faire, revoir la femme qui lui a prêté son téléphone. Vous êtes Madame Stropolewska, Marie-Antoinette, d'origine polonaise, je présume. Non, monsieur, mon mari, mais naturalisé. Lieutenant-colonel Stropolewski, de l'armée française, dont je suis veuve depuis bientôt 40 ans. Ah, très bien. Oh, pardon, excusez-moi. Non, je veux dire, après cette mise en point, venons-en à cette affaire sur laquelle je dois, hélas... encore vous interrogez l'assassinat de l'usurier Paladuc, votre voisin de palier. Vous vous en souvenez sans doute. J'ai bonne souvenance de tout, monsieur le commissaire. À force d'avoir répété tant de fois la même chose. Le jour du crime, vers 16 heures, vous rentriez chez vous.
Quand vous avez vu sortir du couloir un homme, M. Fressol, qui paraissait, avez-vous dit, bouleversé? Oh, il l'était vraiment. Il m'a dit qu'un malheur était arrivé, qu'il voulait de trouver le cadavre, ou plutôt le corps, plus exactement, de M. Paladuc. Il voulait avertir la police immédiatement et il cherchait un téléphone. Oui, vous lui avez alors proposé de venir téléphoner chez vous. Il est donc entré dans votre appartement et nous a avertis. Vous étiez bien sûr resté à ses côtés. Un instant seulement, monsieur le commissaire. Je dois être franche. Je n'ai pas pu me retenir d'aller jeter un petit coup d'œil par la porte de monsieur Paladuc qui était entrouverte. Oh, un spectacle affreux. J'en ai eu les sorts tournés. Lorsque vous êtes revenu chez vous, monsieur Fressol avait fini de téléphoner? Il reposait l'écouteur, justement. N'avez-vous pas remarqué, en remontant avec lui, ou plus tard, chez vous, qu'il portait à la main une serviette, par exemple, ou toute autre chose? Non, monsieur le commissaire. Mais le lendemain matin, de très bonne heure, ce monsieur est revenu. Ah, et pour quelle raison? Il avait oublié chez moi une sorte de petit sac de cuir, dans le genre de celui-ci, voyez-vous. Un petit sac vert, je crois. Vert très foncé. Il m'a dit que c'était là son matériel d'accordeur de piano. Nous avons bavardé de tout cela un moment. Je lui ai montré mon pliel. Où l'avait-il laissé? Pardon? Ben, ce sac, où était-il? Dans l'entrée, près du porte-parapluie. Je ne l'ai pas vu tout de suite. D'ailleurs, c'est ma femme de ménage. Et alors, madame? Il était fermé à clé, monsieur le commissaire. Bon, pardonnez-moi de vous avoir dérangé et merci de votre bonne volonté. Pardon. Je vous en prie. Demandez-moi Martial, s'il vous plaît. Il n'y a aucun doute. Tout était là-dedans. L'argent volé, le revolver. Le commissaire Martial est absent. Bon, dites-lui de m'appeler dès qu'il sera de retour. Vous aviez raison, monsieur le commissaire, elle s'affiche de nous. Ce qui veut dire, Leblanc? Elle a acheté des meubles. Elle continue d'en acheter. Et pas du bois blanc, croyez-moi. Renaissance espagnole, empire, restauration. Et même un boule, paraît-il. Vrai ou faux, ils n'en savent rien, mais toujours est-il que ça vaut de l'argent. J'ai l'impression, madame Fressol, mais ce n'est peut-être qu'une impression, que voilà beaucoup d'invendus. Il eût été vraiment dommage de vous séparer de si belles choses. Leblanc, vous qui êtes un peu expert, qu'en pensez-vous? Un crime, monsieur le commissaire. Et vous, madame Fressol, que pensez-vous de votre nouveau décor? Enfin, de toute cette mise en scène? Monsieur le commissaire, je vous jure. De dire la vérité, rien que la vérité. Je vous écoute. Ah, mais dites-moi auparavant comment il se fait qu'étant aux abois et dans une sombre misère il y a peu de temps, vous pouvez aujourd'hui vous offrir ces meubles de style? J'ai menti. Tiens. Il est vrai, monsieur le commissaire, que du temps de mon pauvre mari, nous avons eu des moments difficiles, mais un petit héritage est arrivé à point. Un parent, bien entendu. Oui, une tante. Du côté de ma pauvre maman. Et quand, cet héritage? Pas tout à fait 2 ans. Ah, peu de temps, donc, après la mort de votre mari. Ah oui. Il n'en a guère profité, le pauvre homme. Quel notaire s'est occupé de la succession? Il n'y a pas eu de notaire, j'étais la seule héritière. Vous êtes compréhensif, monsieur le commissaire. Tante Rose m'avait dit de prendre tout l'argent liquide qui se trouvait chez elle si elle venait à disparaître. Et que faisait-elle? Enfin, où habitait-elle? Elle avait quitté son petit commerce de maroquinerie pour Angoulême. Son nom? Prado, Rose Prado. Il s'agissait sans doute d'une grosse somme. Vous l'avez, j'imagine, déposée dans une banque. C'est-à-dire enfin, que... Enfin, oui ou non? Oui. Quelle banque? La franco-européenne. Mais monsieur... Excusez-moi, je crois que c'est ma sœur. Je suis peut-être un peu en avance. Mais non, monsieur Perrault, entrez. Commissaire Lambert, je vous demande pardon si j'ai bien entendu, vous êtes monsieur Perrault, ma sœur. Mais oui, monsieur. Ah, c'est bien vous, alors, qui avez déposé spontanément... après l'assassinat de l'usurier Paladuc il y a quelques années. C'est bien moi, en effet. Ah, c'est une curieuse coïncidence. Je m'apprêtais justement à vous demander de venir renouveler vos déclarations. Nous recommençons l'enquête. Monsieur le commissaire, j'en suis le premier satisfait. Que voulez-vous dire? J'ai assisté au procès en tant que témoin. Et la façon dont ce pauvre garçon n'a cessé de protester de son innocence ne trompait pas. Cependant, l'avocat général, les jurés... Pour moi, il a été victime d'un malheureux concours de circonstances.
Mais c'est bien pourquoi, monsieur Perrault, je tenais à vous entendre. Il suffit parfois d'un détail, d'une précision. Il s'est produit quelque chose de nouveau? Oui, nous avons retrouvé l'arme du crime, le revolver. Oh, mais c'est capital. Et justement, dans un meuble qui appartenait, enfin qui avait appartenu à madame Fressol et bien sûr à son mari. Dans le secrétaire? Mais vous ne me l'aviez pas dit, monsieur le commissaire, c'était pas possible. Si, je vous l'avais dit, madame Fressol, mais d'une manière plus nuancée. Mais mon mari était un honnête homme. Je le jure sur la tête de mes enfants. Un homme calme, doux et incapable d'une chose pareille. Enfin, monsieur Perrault, vous qui le connaissiez. Madame Fressol a raison, monsieur le commissaire. J'ai beaucoup approché monsieur Fressol et je suis certain... Enfin, je n'ai jamais prétendu que monsieur Fressol était le coupable. D'abord, j'ai vendu le secrétaire. Peu de temps après sa mort, je vous l'ai dit. C'est un régisseur de théâtre qui l'avait acheté. Et entre la mort de votre mari et cette vente, avez-vous eu l'occasion d'ouvrir le tiroir secret? Bien sûr. Quand j'ai voulu me débarrasser de mes derniers bijoux, pour payer les frais des obsèques. Et pas une autre fois. Pas même avant que le régisseur ne l'emporte. Non, monsieur. Non, madame Fressol, vous m'aviez promis de ne plus voir. Êtes-vous un habitué de madame Fressol? La connaissez-vous depuis longtemps? C'est une de mes plus fidèles clientes. Je la soigne depuis bientôt... Combien exactement, madame Fressol? 5 ans, n'est-ce pas? Près de 6 ans, monsieur Perrault. Vous savez, il ne faut pas m'en vouloir à cause de... Mais quand je suis tourmentée, comme maintenant, quand je pense à ce vieux bonhomme et à tout le mal qu'il a fait à mon mari, et que même après sa mort, il le poursuit toujours, c'était un forban sans pitié pour personne. Allons, madame Fressol, Paladuc n'était pas un si méchant homme. Mais comme tous les gens de sa profession... Oh, vous, monsieur Perrault, vous êtes trop bon. Vous croyez que tout le monde est comme vous? Si vous saviez, monsieur le commissaire, avec quel dévouement, quel désintéressement, monsieur Perrault... Je vous en prie. Paladuc était aussi un de vos vieux clients. Aviez-vous l'habitude d'aller soigner à domicile? Non. Non, ce jour-là, tout à fait par hasard, je l'ai rencontré dans la rue, il sortait du restaurant. Il s'est plaint d'avoir passé une très mauvaise nuit. Vous l'avez accompagné chez lui pour l'aider à monter ses 3 étages et lui donner vos soins. Quelle heure était-il exactement? 15 heures, je l'ai précisé. Comprenez, cher monsieur, que les heures dans cette affaire ont une très grande importance. Il était 15 heures, dites-vous, mais à quelques minutes près, peut-être. Je me souviens très bien avoir regardé machinalement le cartel au-dessus du bureau de M. Paladuc. Enfin, disons, 15h05. Ah ben, vous voyez. Bon, de quoi souffrait votre client? De vieux rhumatismes articulaires. Oui, M. Paladuc avait fait toute la guerre 14-18. Il m'avait raconté ses souvenirs. Plus d'une fois, d'ailleurs. La Somme, le chemin des dames. C'est dans la Somme, surtout, qu'il avait le plus souffert. Des jours et des nuits, sous la pluie, dans la boue. Savez-vous s'il avait un grade quelconque? Était-il officier? Sergent. Ah, donc Paladuc aurait très bien pu avoir chez lui, dans son bureau, un revolver d'ordonnance. Vous n'étiez pas au courant, bien sûr. Non, mais c'est possible. Étant donné sa profession, la diversité de sa clientèle, les risques... Combien de temps lui avez-vous consacré? 15 minutes, 20 minutes. Le temps d'un effleurage crural. Crural? De la cuisse, monsieur le commissaire. Et de la gauche, qui était la plus touchée. Le coffre, au moment de votre départ, était-il ouvert? Les clés, en tout cas, étaient dans la serrure. Quand vous avez quitté Paladuc, vous avez, dites-vous dans votre déposition, tiré la porte du bureau derrière vous. Ah, j'en suis certain, oui. Pour la bonne raison que monsieur Paladuc voulait m'accompagner et que je lui ai dit de ne rien faire, étant donné ses difficultés pour se lever de son fauteuil. Bon, là, que le chauffeur de taxi a toujours soutenu qu'il avait trouvé cette porte... entrebâillé. J'ai frappé quand même et comme je n'entendais rien, j'ai poussé la porte. Monsieur le commissaire, j'affirme une fois de plus avoir fermé la porte. Et soigneusement. Mais j'ai encore dans l'oreille le déclic du pen. Mourlac déclare être monté chez Paladuc vers 3h30. Vous en êtes-vous descendu à 3h30 également? L'un aurait dû rencontrer l'autre. J'ai dit au commissaire Deschamps entre 3h20 et 3h30. Oui, et cette fois, vous n'avez pas regardé le cartel. C'est dommage. Bref, récapitulons. Arrivé, 3h05. Soins et conversation avec Paladuc pendant 1 quart d'heure, 20 minutes, soit 3h20, 3h25, soit un battement de 5 ou même de 10 minutes entre votre départ et l'arrivée de Mourlac, battement pendant lequel s'est peut-être présenté un personnage que nous ne connaissons pas. Et qui serait alors l'assassin? Alors, c'est une supposition. Bref, dans l'escalier, vous n'avez rencontré personne. Mais en arrivant sur le trottoir, vous avez remarqué le taxi de Mourlac arrêté devant l'immeuble. Oui. Avez-vous vu quelqu'un à l'intérieur? Mourlac, par exemple?
J'avoue n'y avoir pas prêté grande attention. Encore une question, monsieur Perrault. Paladuc vous réglait-il habituellement par chèque ou en argent liquide? Toujours en espèces, monsieur le commissaire. Madame Veuve Fressol a ouvert un compte dans notre établissement en janvier 66, le 12, très exactement. Elle a fait un versement initial de 20 000 francs en espèces, c'est-à-dire 2 millions anciens. Ben, je vous remercie, monsieur le directeur. Attendez, attendez, c'est pas tout. Hein? Le 16 janvier, elle a fait un autre versement de 20 000 francs. 16 janvier? En espèces, oui, 16 janvier. 16 janvier, bon, ben 2 et 2, ça fait 4. Merci bien. Attendez, attendez, le 24 janvier, elle a fait encore un versement de 20 000. Le 24? Oui, 24. Le 24. Voilà, ben 4 et 2, 6. Bon, ben il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre obligeance, monsieur le directeur. À votre service. Permettez que je donne un petit coup de fil, là. Je vous en prie. Si on me demande... Voilà justement, monsieur le commissaire. Ah, c'est à quel sujet, monsieur? C'est assez difficile à expliquer. Je viens... Il y a un jeune monsieur de chez vous, de la police, qui est venu au théâtre au sujet d'un secrétaire. Oui, je suis au courant. Vous voudriez nous dire quelque chose de plus? Eh bien, monsieur le commissaire, depuis que ce jeune homme m'a parlé de ce revolver, il y a un petit truc qui me tracasse. Bon, entrez, je vous en prie. Pendant 5 minutes, ne me passez aucune communication, sauf urgence, bien entendu. Je vous en prie. Je me suis rappelé, voyez-vous, qu'après l'avoir acheté, ce secrétaire, on a reçu au théâtre des lettres anonymes. Mmh. Pas tout à fait des lettres, d'ailleurs. Et vous les avez apportées? Oh, ben non, je les ai fichues en l'air, moi. J'ai cru que ça venait d'un malade, d'un fou, vous comprenez. Et que disaient-elles, ces lettres? Vous vous en souvenez? Oh oui, et c'est pas sorcier. Toujours la même chose. D'abord, en haut du papier, avec des lettres de journal, envoi pour un secrétaire. Et au-dessous, objet inanimé, avez-vous donc une arme? Non, répétez. Non, je vous en prie, répétez le vers. Le vers? Oui, enfin, ce que vous venez de dire. Ah oui, objet inanimé, avez-vous donc une arme? Le revolver. Une arme, le revolver. Non, non, non. Lamartine avait écrit à l'origine, objets inanimés, avez-vous donc une âme? Qu'est-ce qu'il vient faire, Lamartine? Oui. Bon, bien entendu, vous n'avez pas pensé à aller voir dans ce secrétaire. Le secrétaire, Moi, j'ai cru qu'il s'agissait d'un employé. Enfin, d'un secrétaire, quoi. Et c'est seulement quand le jeune homme est venu pour me demander... Oui, dites-moi, est-ce que parmi les acteurs de la pièce qu'on jouait à l'époque, l'un d'eux aurait eu de gros soucis d'argent au point d'avoir recours à un usurier? Ça, alors, pour vous dire, il y en a qui sont tellement dans la mouise. Et alors, pour eux, c'est simple. Ils vont au monde piété. Monsieur, c'est pour un cadeau? Mademoiselle Fressol, Juliette Fressol. Oui, monsieur, c'est pour quoi? C'est pour le gaz. Le gaz? Mm-hmm. Mais je n'ai pas le gaz dans mon magasin, monsieur. Hein? Je vous préviens, si vous venez ici pour me faire des ennuis, un scandale... Vous allez appeler la police. Exactement, si vous ne sortez pas d'ici tout de suite. Coucou, la voilà. Comme voulez-vous. Oh, comme toujours, vous savez, quelques petits renseignements. Du bricole, mademoiselle, sur votre situation de famille, enfin, votre situation tout court.
Madame, votre mère nous a donné... C'est elle qui vous a donné mon adresse? Ah, non, non, malheureusement, non, non, non. Si je comprends bien, étant mannequin volant, ça vous a donné l'idée de voler de vos propres ailes. Hmm? Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, je suis mannequin, et alors? C'est un métier comme un autre, monsieur. Oh, entre nous, vous avez horriblement bien fait, parce que, dites donc, il est mignon comme tout, ce petit magasin, hein? Au fait, vous l'avez acheté quand? Mais qu'est-ce que ça peut vous faire? J'ai toujours été honnête, moi. Même comme mannequin. Ça vous épate, hein? Évidemment. Eh non. Mais ce qui pourrait vous épater, vous, c'est que je vous emmène illico, presto, subito, dans des locaux plus adéquats pour un interrogatoire en règle. Hein? J'aimerais bien voir ça. Et de quel droit? Bon, on les a tous, mademoiselle. C'est connu, hein? Bon, alors, cette boutique, depuis quand? De toute façon, il y a le registre du commerce. Depuis un an et demi. En mai dernier. Vous êtes content? Ça commence. Merci, mademoiselle. Et avec quel argent, s'il vous plaît? Le mien d'argent, le mien! Ouais, sans blague. C'est vraiment très intéressant. J'étais un mannequin qui avait du succès, moi. Ah. Je posais pour les magazines. Oh, vous me dites donc, moi qui cherchais justement un métier d'avenir pour ma fille. Faudrait-il encore avoir de quoi? Parce que si elle vous ressemble, la chère petite... Oh, les cheveux seulement, les cheveux. C'est une chance, non? Bon, revenons-en à nos capitaux, hein. On vous aurait pas par hasard un petit peu aidé, madame votre mère, par exemple? Vous avez quand même un certain toupet, monsieur, parce que ma vie privée ne... Oh, il s'agit de la sienne, de vie privée, hein. Alors, ne comptez pas sur moi. Je ne vous dirai rien. Et puis, écoutez, laissez ça tranquille, c'est fragile. Ouais, je sais, ma femme a la même. Bonjour, c'est moi. Eh, ben voilà la petite sœur, si je ne me trompe, qui est sérieuse et qui travaille bien à l'école et qui donne bien du plaisir à sa bonne maman. Vous êtes de la police, vous aussi? Eh oui, la vocation, qu'est-ce que vous voulez? Alors, naturellement, je vais vous poser quelques petites questions à vous aussi. Vous n'avez pas le droit, elle est mineure. Outre le chauffeur Mourlac, condamné à tort, semble-t-il, pour le meurtre de l'usurier Paladuc, et M. Fressol, possesseur du secrétaire dans lequel on a découvert l'arme du crime 3 ans plus tard, le masseur Perrault a été lui aussi le jour du crime en rapport avec la victime. Oui ou non, M. Fressol est-il le meurtrier? Peut-être la fille aînée de Mme Fressol apportera-t-elle quelques lumières à Abadi et au commissaire Lambert? Oui, je voudrais voir monsieur le commissaire. Mais c'est à quel sujet? Parce que monsieur le commissaire ne reçoit personnellement que... Eh bien, Leblanc, on entre sans frapper. Qu'est-ce qui vous arrive? Monsieur le commissaire, je vous prie de m'excuser, mais... Vous l'avez perdu? De vue, oui, mais... Donc, vous l'avez retrouvée? Non, enfin, oui. Où est-elle? Elle est là. Ici? Vous l'avez ramenée? Non, mais enfin, je vous expliquerai, c'est... Ah ben, je l'espère bien. Bon, faites-la entrer. Monsieur le commissaire, il y a une dame qui demande à vous voir. Oui, je suis au courant.
Vous avez demandé à me parler, madame? Oui, monsieur le commissaire. J'ai menti. Mais vous me l'avez déjà dit ce matin. Cette fois, c'est au sujet de l'héritage. Ah, eh bien, je vous écoute. Tante Rose est morte, c'est vrai, monsieur le commissaire. Mais longtemps après mon mari. Et ce n'est pas moi qui ai hérité. C'est ma sœur de Bellac. Pourquoi ce mensonge? Enfin, d'où vient cette somme importante, 6 millions anciens, que vous avez déposée par 3 fois à votre banque entre le 12 et le 24 janvier? C'est-à-dire pour le premier dépôt, une semaine environ après le décès de votre mari. Ne serait-ce pas lui qui vous l'aurait laissé d'une façon ou d'une autre? Une somme si importante, monsieur le commissaire. Où aurait-il eu cet argent? Bah, là est la question. Voyons, madame. Eh bien, un jour, peu de temps après la mort de mon mari, j'ai reçu un paquet de la poste. Un paquet? Et qu'y avait-il dedans? De l'argent, monsieur le commissaire. 2 millions. En billets de toutes sortes. Et qui vous envoyait cet argent? Je ne sais pas. Je ne l'ai jamais su, je vous le jure. Enfin, il était recommandé. Il y avait bien un nom, une adresse quelque part. Rien. Et naturellement, vous n'avez pas conservé le papier de l'emballage. Je l'ai jeté, mais il y avait un petit mot, enfin, quelque chose d'écrit. Voilà. Vas-tu jouir enfin de tes droits, entre parenthèses, d'auteur éternel? Vas-tu jouir enfin de tes droits éternels? Oui, si on enlève le mot d'auteur, entre parenthèses, ce sont des vers, sans aucun doute. Alexandra, monsieur le commissaire. Oui, merci, Leblanc. Enfin, vous ne savez pas de qui, ni moi non plus, d'ailleurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Avez-vous une idée là-dessus? Eh bien, j'ai toujours pensé que quelqu'un avait pris à mon pauvre mari une de ses inventions. Il avait su l'exploiter. Et pris de remords, il aurait ainsi cherché à réparer le préjudice. Qu'il ait voulu conserver l'anonymat, ça se comprend, mais pourquoi ce vers? C'est peut-être un poète, monsieur le commissaire. Inventeur et poète, ça existe? Regardez Pascal. Ce n'était pas un poète. Boris Vian, alors? Oui, bon, passons. Et vous avez continué à accepter cet argent? Mettez-vous à ma place, monsieur le commissaire. Et c'est avec ces 2 millions que vous avez pu... Il y en a eu d'autres. D'autres paquets? 2. De 2 millions chacun, évidemment. En somme, c'est une belle invention, digne du concours Lépine. Et dans chacun de ces paquets, il y avait peut-être ce genre de message sibyllin? Je les ai. Tenez. Et voilà. Merci. Sachons le prix du don, mais ouvrons notre main. Au secours des douleurs, un Dieu clément me guide. Ça me dit quelque chose, ça. On dirait du Victor Hugo ou du Racine. Oui, ou du Corneille, ou du Voltaire, ou du Vigny, etc. Non, tâchez de me trouver le dictionnaire des citations. Moi, je crois de plus en plus que, comme pour le régisseur, Lamartine y est pour quelque chose. C'est sûrement ça, monsieur le commissaire. Bon, alors allez vérifier. Et naturellement, avec constance, vous avez continué de déposer à votre banque ces dons tombés du ciel et du Pardasse. Et vos enfants, elles aussi, ont trouvé tout à fait naturel cette manne tombée du ciel. Elles ne vous ont pas posé de questions. Mais moi, je m'en suis posé plus d'une, monsieur le commissaire. Surtout depuis que je sais pour le revolver. Je ne suis pas tranquille. Je n'ose plus penser. Je me demande même si... Si ce n'est pas votre mari qui... Oh non, monsieur le commissaire, ce n'est pas vrai. Une chose si abominable. Puisque j'avais fouillé dans le tiroir secret tout de suite après sa mort et qu'il n'y avait plus que mes bijoux. Madame Fressol, avez-vous vu déjà cette arme entre les mains de votre mari? Ah non, monsieur le commissaire. Les armes de mon mari étaient beaucoup plus petites. Il n'y avait pas de roulette comme ça. Entrez. Ça y est, patron. C'est gagné. L'héritage de la tante Rose, c'est de la frime. Juliette a avoué. Enfin, pas elle, sa petite sœur qui est arrivée à point nommé. C'est une sacrée belle fille, hein, Juliette. Enfin, comme ça. Question caractère, alors. Est-ce aussi votre avis, madame Fressol? Oh, pardon, je crois que j'arrive un peu tôt, moi. Ou un peu tard. Je vous laisse le choix. Mais pourquoi Fressol aurait-il conservé l'arme du crime? Et pourquoi aurait-il joint ses coupures de journaux relatant l'affaire? Ben pour montrer le rapport entre les deux choses. Et faire naître, en cas de découverte, un doute sur la culpabilité de Mourlac. Oui. Autrement dit,
Fressol aurait cet innocent sur la conscience. Mais ces fameux paquets postes, Lambert, vous avez aussi une idée là-dessus? Ben, j'hésite. Mais il se pourrait fort bien que Fressol ait confié en cachette de sa femme l'argent volé et celui des chèques au porteur à un ami sûr. Qu'il ait chargé cet ami d'en remettre le tout à Madame Fressol en cas d'accident et d'organiser la mise en scène que nous connaissons au sujet du secrétaire. Oui, oui. Enfin, Fressol meurt un peu vite, vous ne trouvez pas? Ben, rien ne prouve que Fressol n'ait pas donné un petit coup de pouce au destin pour permettre à sa femme et à ses enfants de toucher enfin le magot. Sublime sacrifice. Oui. Tout cela me paraît quand même un peu rocambolesque, excusez-moi, Lambert. Et c'est vers la Martinien, dites-vous, qui se voudrait symbolique. Non, ce qui compte, monsieur le juge, enfin je crois, c'est l'amoncellement de présomptions autour de Fressol. Mais les traites dans le taxi de Mourlac. Non. Au fond, un seul homme a pu voir le taxi arrêté dans l'immeuble. Le masseur, Perrault. Et qui était aussi un des familiers des Fressol. Ben, ça ne prouve rien. À moins, si je suis votre théorie, Lambert, que ce ne soit la mission dont vous parliez, le dépositaire, en quelque sorte, des dernières volontés de Fressol. Encore un peu de patience, monsieur le commissaire, je suis à vous. Mais faites, faites. Ça va, je ne vous fais pas mal? Allez, j'ai quand même. Je devrais venir ici faire un tour de temps en temps, moi. Enfin, en dehors des heures de service, naturellement. Au fait, votre nouveau régime? Ben, ça va pas mal, est efficace, vous voyez, ça rentre. C'est bien ce qui me semblait. Affaire de volonté. Ce qu'il y a de bien ici, c'est que c'est l'autre qui fait le travail. Et nous, on n'a plus qu'à attendre. Entrez. Bonjour, messieurs. Monsieur Perrault, c'est Sœur Marie-Paul. Bonjour, ma sœur. Asseyez-vous, je suis à vous tout de suite. Ne vous dérangez pas, je vous apporte ma petite liste. Si vous pouvez passer voir mes pauvres vieux, ça me fera bien plaisir. Et à eux aussi. Mais bien sûr, ma sœur, je m'arrangerai toujours. Oh, je sais bien, vous êtes la bonté même. Je mets ma petite liste sur votre bureau. Entendu, Sœur Marie-Paul. À bientôt. Je vous en prie. Si j'ai bien compris, Monsieur Perrault vous aide dans votre tâche. Depuis des années, et toujours bénévolement. Partout où il y a de pauvres gens qui souffrent, qui n'ont les moyens de rien, Monsieur Perrault n'écoute que son bon cœur. C'est un saint, Monsieur Perrault. Vous ne le saviez pas? Si. Si tout le monde lui ressemblait, voyez-vous, monsieur, nous aurions le paradis sur terre. Au revoir, messieurs. Au revoir, monsieur. Je ne vous tends pas la main, monsieur le commissaire, avec cet onguent. Monsieur Perrault, c'est encore au sujet de cette vieille affaire Paladuc. Toujours cette question d'horaire et de concordance entre les allées et venues. Je vous ai tout dit. Mais si je peux vous être utile. Vous avez un fort beau matériel. Qu'est-ce que c'est que cet appareil? Un vibromasseur pour les massages simples, les contractures. Et là, vous avez un appareil de circonduction pour l'épaule. Et là-bas, une table d'élongation. Il y a pas mal de temps, je crois, que vous exercez votre profession de masseur. Ah, pardon, monsieur le commissaire. De kinésithérapeute. J'ai mon diplôme d'état depuis bientôt 4 ans. Et la clientèle ne doit pas vous manquer. J'ai eu l'impression que tout le monde vous porte au nu. N'exagérons pas. J'ai seulement toujours eu à cœur de soulager la misère physique de mon prochain. Et morale, si possible. L'une allant souvent de pair avec l'autre. En somme, une vocation. Pourquoi pas? Ben, revenons à ce qui m'intéresse. Vous m'avez dit être certain, ce fameux jour, de n'avoir rencontré personne dans l'escalier ou dans le couloir après avoir quitté Paladuc. Et pardonnez-moi si j'insiste, mais j'ai fait appel à tous mes souvenirs. Non, vraiment non. Quels étaient vos rapports avec Paladuc? Je veux dire, vous qui êtes un homme sensible, charitable, enfin tout le monde le reconnaît. Est-ce que ces activités, ce métier d'usurier ne vous gênait pas un peu? Évidemment, son manque de scrupules, de pitié, ne favorisait pas la sympathie. Mais je me devais de le soigner en oubliant mes sentiments profonds. Aviez-vous eu recours à, enfin disons, ses bons offices? Une seule fois. Je l'avais d'ailleurs dit au commissaire Deschamps. À quelle époque cet emprunt? Tout au début de mon installation ici. C'est-à-dire? 4 ans. Tenez, pour cette bicyclette. 300 000 francs anciens que j'ai remboursés en 3 fois. Oui, c'est ainsi que je suis venu à lui donner des soins. Et pourquoi ne vous êtes-vous pas adressé à une banque ou à un organisme de crédit? C'est difficile à dire. Un petit découvert, peut-être? Voilà. À ce propos, monsieur Fressol était loin, lui aussi, d'être à l'abri des soucis pécuniaires. Il avait eu maintes fois recours à Paladuc, vous a-t-il mis dans la confidence? Ou Paladuc lui-même, entre deux massages, vous a-t-il fait
part de certaines difficultés qu'il aurait eues avec ce client un peu facile. En aucune façon. Bon, très bien, nous allons vous laisser. J'aurai peut-être encore besoin de vous. Je suis à votre disposition. Quand vous voudrez, Abadi. Comment vaincre l'obésité sans risque et sans fatigue? Vous y croyez, vous, ça? Ah, ce serait un comble. Ah. Amenez-moi un de ces jours, nous en parlerons. Oh, je dis pas non. Je ne vous tends pas la main, ça reste poisson. Ah oui, 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 toujours le fameux onguent. Au revoir. Au revoir. Pardon, excusez-moi, votre livre. Un drôle de bonhomme. Je vais quand même envoyer quelqu'un éplucher sa comptabilité avant et après la mort de Paladuc. Dites donc, patron, au sujet de Lamartine, là, ça a l'air d'être son poète favori. Pourquoi? Il a ses œuvres complètes dans la bibliothèque? Complète, ça, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a un disque. Un disque? Ouais. Allez, faut sortir. Fressol, qui a découvert le corps de l'usurier Paladuc 3 ans plus tôt et qui est mort depuis, est-il le meurtrier posthume? Ceci permettrait d'innocenter Mourlac, le chauffeur de taxi condamné, que le masseur Perrault, autre client de l'usurier et relation des Fressol, croit victime d'une erreur judiciaire. Oh, excusez-moi un petit détail. On me dit que vous aimez beaucoup la poésie, monsieur Perrault. Mais oui. Chénier, Verlaine, Louise Labbé, Lautréamont, Amont, Agrippa d'Aubigné, même Lamartine. Et la musique classique, bien entendu. D'ailleurs, j'ai installé cet électrophone à l'intention de certains de mes clients un peu nerveux. C'est excellent pour la décontraction. Ah, sans doute. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite démonstration? Mais avec plaisir. Attendez, celui-là, par exemple. Tour à tour, attendez goutte à goutte une eau rare et limpide. Et leur urne à la main s'entretenait du jour. Chaumière, où du foyer étincelait la flamme, toi que le pèlerin aimait avoir fumé, objets inanimés, avez-vous donc une âme qui s'attache à notre âme? Admirable, n'est-ce pas? J'ai vu des cieux d'azur. Surprenant. Où la nuit est sombre. Je ne suis quand même pas le seul à aimer Lamartine. Non, mais peut-être le seul à avoir eu en même temps des relations suivies avec la victime. Le seul encore à l'avoir vue vivante quelques minutes avant le crime. Et le seul toujours à avoir eu d'autres relations avec les possesseurs du secrétaire dans lequel... Bref, c'est beaucoup de coïncidences, Perrault. Vous aviez des difficultés d'argent? Plus que vous ne le dites. Nous le saurions bientôt. Vous rêviez de vous installer, malheureusement, il vous manquait l'essentiel. Et de plus, vous aviez par-ci par-là quelques dettes criardes. Vous êtes allé chez Paladuc non pour le soigner, mais pour lui demander, ou le supplier plutôt, de remettre une de vos échéances. Je vous ai dit et répété que je l'avais rencontré fortuitement. Vous l'avez donc accompagné chez lui et soigné pour une ankylose du bras. Je n'ai jamais dit cela. Des rhumatismes des membres inférieurs. Ah oui, c'est vrai, la jambe, oui. Un effleurage crural, ce sont vos termes. Vous alliez régulièrement, depuis des années, soigner chez elle, Madame Fressol. Il vous était donc facile de mettre un revolver dans le tiroir à secret. Madame Fressol, entre le petit verre, avait dû vous en parler de ce fameux tiroir.
Et pourquoi cette machination? Si j'avais tué comme vous voulez le croire, je me serais débarrassé tout de suite du revolver. Non, parce que vous aviez déjà une petite idée derrière la tête. Et Fressol, vous ne l'accusez pas, lui? Vous m'avez dit vous-même que vous étiez certain de son innocence. Ben, certain. Je ne pouvais quand même pas devant Madame Fressol et de but en blanc. Mais aujourd'hui, en y réfléchissant bien et parce que ça vous arrange, vous changez d'avis. D'abord, sur le revolver, il n'y avait aucune empreinte imputable à Fressol. Mais qu'est-ce que ça prouve? Monsieur Fressol portait les gants de fil en permanence. Il s'était brûlé les mains au cours de ses expériences. Vérifiez-moi ça, Debbie, s'il vous plaît. En revanche, sur la crosse, outre les empreintes de Paladuc, on a relevé des maculations particulièrement grasses. Et nous saurons bientôt s'il y a quelques similitudes avec l'onguent dont vous vous servez d'ordinaire. Perrault, vous avez tout avantage à nous dire la vérité. Mais enfin, vous vous êtes renseigné sur moi. Je me suis toujours conduit en honnête homme. Sœur Marie-Paul. Ce bien, cette charité que vous semblez pratiquer avec acharnement, est-ce que ce n'est pas pour soulager un peu votre conscience? Pensez ce que vous voulez. Allô? Oui, lui-même? Ah bon, oui, je m'en doutais. Oui, alors, faites votre rapport tout de suite. Analyse concluante. Perrault, sur le revolver, on a retrouvé vos empreintes. Ou tout au moins quelque chose qui en tient lieu formellement. Maintenant, si vous voulez que je vous aide dans votre confession. Alors, Perrault? Vous êtes trop aimable, monsieur le commissaire. Je n'ai besoin de personne. Vous sentez-vous mieux? Oui, oh. Ça durera pas longtemps. Après que je vous paye, c'est scandaleux. Bon, 3000 francs, ça n'est pas cher. Oh, 3000. Mais d'habitude, vous me demandez 2000. Mais d'habitude, c'est vous qui venez chez moi. Aujourd'hui, je me suis déplacé. Ah, je n'ai pas exprès pour me soigner. Si j'allais bien, j'aimerais mieux pas vous voir. Allez, allez. 2000 francs et pas un sou de plus. Faites un effort, monsieur Paladuc. Je vous l'ai dit, je m'installe. L'appareillage coûte très cher. Et sans appareil perfectionné, moderne, je ne peux pas toucher la clientèle désirable. Mon petit monsieur, vous faites votre métier, moi je fais le mien. Les sentiments et les affaires, ça va pas dans le même panier. Si je vous écoutais les uns et les autres. Ah. D'ailleurs, à quoi ça rime? Je vous donne de l'argent, vous allez me rendre demain. Parce que. Tâchez de pas l'oublier, hein, l'échéance de votre traite. Alors, c'est d'accord, hein? Mon père et demain. Comment, je n'en sais rien. Mais auparavant, je vais vous dire quelque chose que j'ai sur le cœur depuis que je vous connais. Monsieur Paladuc, vous me dégoûtez. Vous n'avez pitié de personne. Que les gens souffrent ou se trévalutent pour vivre, ça vous est égal. Alors, je vous dispense de vos insultes. Non, ce ne sont pas des insultes, monsieur Paladuc. Et je ne suis pas le seul à vous avoir jugé. Monsieur Fressol, lui aussi. Eh oh, bah, parlons-en de celui-là. Un maboule de la pire espèce. Bon, ce qui est réconfortant, c'est que des gens cherchent encore à venir en aide à leurs semblables. Pendant que vous, monsieur Paladuc, vous profitez de leur misère, de leur détresse. Vous êtes un homme nuisible. Sortez d'ici, espèce de voyou. Ou je vous y forcerai, moi, et la belle manière, comme en 14 avec les bosses. Oh, nuisible, je vous le dis, nuisible. Vous êtes rentré tranquillement chez vous. Vous avez caché le revolver, l'argent, l'échec. Et ensuite, vous êtes allé témoigner spontanément. Ce qui est, vous l'avouerez, d'un rare cynisme. Plus tard, vous avez encore témoigné aux assises, en toute sérénité. Et quand le chauffeur Mourlac a été reconnu coupable et condamné, alors là, vous avez poussé un long soupir de soulagement. Non, non.
Je continuais à travailler, je continuais à vivre, bien sûr. Mais ce n'était plus comme avant. T'as entendu, oui, vous avez l'air mort. Mais pas le courage de vous accuser de votre crime, et surtout de faire libérer un innocent. Ce n'est pas un crime. Vous êtes tué par la vie, c'est vrai. Mais pas seulement pour moi, pas par intérêt personnel, vous êtes tué par... Par philanthropie, peut-être. En vous débarrassant des traites dans le taxi, vous avez quand même pensé à prélever la vôtre. Instinctivement, je crois. Oui, et en y laissant les autres, vous saviez, instinctivement aussi, que vous alliez faire accuser quelqu'un d'autre à votre place. Oh, ce n'est pas vrai. Et je pensais, je ne sais pas, moi, qu'il n'y aurait pas d'autre preuve. Et puis je ne pouvais pas penser que Mourlac, enfin le chauffeur de taxi, avait lui aussi affaire à Faladuc, et que tout se retournerait contre lui. C'est pourtant ce qui s'est passé. Vous êtes doublement criminel, Perrault. En déposant le revolver chez les Fressol, quelles étaient vos intentions? Je ne pensais plus qu'à faire libérer Mourlac. C'était une obsession, je vous le jure. Alors quand M. Fressol est mort, une idée m'est venue. Puisque c'est lui qui avait découvert le corps, je me suis dit qu'il suffirait de peu de choses pour qu'on le croie coupable. À titre posthume, ce qui simplifiait tout. Madame Fressol, vous avez tenu au courant du tiroir secret? Oh, elle parlait beaucoup. Souvent à tort et à travers. Cet argent, ces sommes importantes que vous avez fait parvenir à Madame Fressol, provenaient bien entendu de vos vols commis chez Paladuc. Il y en avait qui m'appartenaient en propre. Si l'on peut dire, car vous avez quand même utilisé l'argent de Paladuc pour l'achat de ce matériel dont vous aviez besoin. L'argent gagné par la suite, le vôtre, n'était non pas aussi propre que vous le croyez. Enfin bref, moi ce qui m'intéresse, c'est de savoir la raison qui vous poussait à venir en aide à Madame Fressol. Bah non, Perrault. Une vérité de plus ou de moins. Il vous brûlait les doigts? J'avais conscience du préjudice moral que j'allais causer à Madame Fressol et à ses filles. N'est-ce pas plutôt pour laisser croire que Fressol avait dissimulé cet argent jusqu'à sa mort? Non. Je vous jure que non. Et le préjudice causé à la femme et à l'enfant de Mourlac, à Mourlac lui-même, vous n'y avez pas pensé? Non, si. C'était une autre obsession. Mais que pouvais-je faire sans me trahir? Et s'il n'y avait pas eu le hasard pour nous faciliter la tâche, Mourlac était dans son trou jusqu'à la fin de ses jours. Je crois que je me serais dénoncé, monsieur le commissaire. À la fin, je n'en pouvais plus. Ah ben, vous n'en donniez pas l'impression, pourtant. Souriant, détendu. Oui, une attitude. Comme celle qui vous commandait de passer pour un saint auprès des petites sœurs des pauvres, de soigner gratuitement les vieillards et les indigents. C'était sincère, je vous le jure. J'ai toujours été un brave type. Et un peu simple aussi, Perrault. En vous imaginant que vous auriez recommencé à vivre benoîtement avec une meilleure conscience, après vous être déchargé de votre crime sur un autre innocent, même mort. Y avez-vous pensé, Perrault? Je ne sais pas. Eh bien, nous y penserons pour vous.